Vous allez voir toutes mes collections. C'est que des collections, tout ça. Les autres, je les ai vendus. Voilà, en collection. Là, ici. Voilà les voitures qu'il vous faut. Pour gagner plus d'argent dans GTA 5. Petite statue de bronze. Pour avoir cette statue de bronze, il faut faire 200 missions, 250 missions de caisse. C'est-à-dire lancer 250 missions. Vous voyez là, j'en ai lancé 251. Donc si vous prenez par 3 caisses, ça compte comme une mission. Si vous prenez par une caisse, ça compte aussi comme une mission. Moi je prenais par 3 caisses, je ne le savais pas ça avant. Taux de réussite 96, marchandises vendues 24, taux de réussite 77%. Donc j'ai deux entrepôts les plus chers. Les autres entrepôts, je les ai vendus, les petits et les moyens. Vous voyez ici. Les deux plus chers. Vais vous montrer ça. Donc, quand vous prenez une voiture de collection, si vous allez chercher une voiture de collection, vous pouvez aller la chercher. Si c'est pas une voiture de collection, que vous n'avez pas remarqué que c'était la même plaque qu'il y a sur l'ordinateur de l'entrepôt de voiture, vous faites directement ça. Je viens de trouver cette astuce il n'y a pas très longtemps. Trouver une nouvelle session, quitter, ok. Donc vous lancez votre vous allez sur l'ordinateur, vous lancez votre mission. Vous notez d'abord les plaques sur l'ordinateur de bord de l'entrepôt où il y a toutes les voitures import-export. Voilà, vous lancez votre véhicule. Et si c'est pas la bonne plaque, pour savoir si c'est la bonne plaque qui est marquée en bas, en dessus du GPS, ou si vous n'avez pas fait gaffe, vous allez directement dans le téléphone. Et là, vous allez dans les SMS, il y a marqué la plaque. Vous regardez la plaque, si c'est pas la bonne plaque, et ben vous faites comme je vous ai dit. Vous allez dans ligne, trouver une nouvelle session et point de réapparition, très important, dernière position où vous marquez votre PDG. Comme ça, vous réapparaissez ici et vous pourrez directement lancer une autre mission sur l'ordinateur jusqu'à ce que ce soit comment dire, une collection. Donc vous réapparaissez là et au bout de 3-4 voitures lancées, vous aurez généralement une collection. Après, ça dépend combien de voitures vous avez déjà de collection dans votre entrepôt. Moi, j'en avais pas mal, donc ça me lançait au bout de 3-4, maximum 5 une voiture de collection. Donc ça va. Après, si vous n'en avez pas beaucoup, peut-être une ou deux ou trois, ça sera peut-être plus long, mais peut-être 7, 8 ou 9 fois, mais au bout de la 10e fois, mais essayez, c'est plus rapide que d'aller chercher un véhicule lambda, d'aller l'emmener au l'entrepôt, d'aller le livrer. Vous gagnerez un peu moins d'argent. Après, si vous êtes pressé de faire de l'argent, faites comme vous voulez, mais moi, cette petite astuce là, elle est pas mal. Donc voilà, et moi je vous dis portez-vous bien et faites un maximum d'argent. Donc ça part vite l'argent. Moi j'ai customisé quelques véhicules, j'ai acheté tous les véhicules bénis. Et voilà quoi. Allez, peace la famille.